your damn show. Vous avez cherché, vous avez trouvé la démocratie, c'est tout dans nos mains. Vous vous êtes battu, vous avez gagné la démocratie, c'est tout dans nos mains. La Guinée Calvo, alléluia, 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 soro. La Guinée Calvo, alléluia, 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 no wali no marche de la paix dans la Guinée. No wali no wali no marche de la paix dans la Guinée. Bolo kilente donita singilente silabula mbeka pisa bembali yadi banga pisa jamka duye manye kuma nyone kanyongo na me katili nyone kabara kilengi benga pisa bembali yadi koke mana deluo. Secretary of the organization, and on behalf of Pope of Guinea, I would like to welcome you to our first annual symposium. The first thing that we will be doing today is I welcome Salim Basharif, who's the president of the organization. So Mr. Salim Basharif, please come to the podium. Mesdames, Messieurs, honorables invités, permettez-moi au nom de Pope of Guinea de remercier tous les panélistes et les invités de votre présence à ce symposium pour débattre des sujets divers et variés sur l'éducation de la jeunesse de notre pays, la Guinée. Pope of Guinea est une organisation non gouvernementale, apolitique et à but non lucratif, née dans la métropole de Washington DC pour venir en aide aux enfants déshérités de la Guinée à travers l'éducation de base, qui est à nos yeux le soubassement de tout développement. Pour ce faire, Pope of Guinea assure la scolarité des enfants sélectionnés sur la base du mérite de l'école primaire à la secondaire en les inscrivant dans les écoles privées réputées proches de leur lieu de résidence et en leur fournissant un suivi régulier par des enseignants qualifiés. Nous croyons que l'éducation de base renforcée est la solution efficace de sortir d'abord de l'analphabétisme et ensuite de se projeter facilement vers l'enseignement supérieur ou l'apprentissage des métiers. Aussi, nous faisons la collecte d'objets, de vêtements et des jouets que nous envoyons à ces enfants. Pope of Guinea a décidé d'organiser ce symposium dans un premier temps de discuter de sujets complexes sur l'éducation des jeunes en Guinée. Ensuite, retenir de nouvelles pistes de réflexion pour mieux servir notre cause et sensibiliser le public sur l'éducation des jeunes en général et sur celle de base en particulier. C'est pourquoi nous attendons de ce symposium des réponses pouvant améliorer la connaissance sur le système éducatif guinéen, ses faiblesses, ses atouts et ses défis. Les problèmes socio-culturels qui sont confrontés à l'éducation des jeunes, des solutions sur le court, moyen et long terme, les politiques de gouvernement successifs sur l'éducation des jeunes de l'indépendance à nos jours, les rôles de l'UNICEF et d'autres ONG dans ce même concept, leur succès, leur échec, leur vue sur l'éducation des jeunes en Guinée. La compréhension de la corrélation entre l'éducation des jeunes et leur santé, par exemple, des campagnes de prévention de maladies
et de vaccination dans le système éducatif guinéen. L'application par la Guinée des chartes de l'ONU relatives aux droits des enfants en Guinée. Hope of Guinée a décidé de laisser le choix aux différents panélistes d'exposer sur un sujet leur choix parmi ces sujets qui ont été retenus. L'éducation, la santé, participation des jeunes et le développement économique et communautaire. Mesdames, Messieurs, chers invités, vous voyez bien que Hope of Guinée compte sur ce symposium pour avoir plus de détails, d'explications, de profondeur de réflexion de la part de notre panel d'experts sur toutes ces questions précisées et sur la même lancée, permettre à nos invités de s'initier, sinon d'agrandir leur champ de vision sur la problématique de l'éducation des jeunes en Guinée. Pour Hope of Guinée, l'éducation des jeunes est un sujet rassembleur qui nous pousse au-delà de nos superficielles différences géographiques ou ethniques en Guinée. De trouver des solutions pratiques et innovantes pour notre avenir commun qui est le développement socio-économique de notre cher pays. Nous formulons le vœu, après ce symposium, que des vocations naissent dans notre communauté sur l'éducation des jeunes en Guinée, qu'il y aurait d'autres réunions, symposiums, et continuer de sensibiliser, d'informer et d'impliquer la diaspora de notre pays aux États-Unis sur la jeunesse guinéenne à travers ce qui est le plus vital pour chaque pays dans ce monde globalisé, l'éducation des jeunes. Mesdames et Messieurs, nous ne saurons terminer ce discours sans adresser nos sincères remerciements et félicitations à toutes les personnes et entreprises qui nous ont soutenus de façon constante et avec beaucoup d'abnégation à la réalisation de ce symposium. Et nous vous informons à la même occasion que cette rencontre de réflexion et de partage d'idées sera couronnée par une soirée en centre cette nuit au Crystal Net Club pour fêter la jeunesse guinéenne. Je vous remercie de votre attention.